Je laisse la parole à Madame Feldman, professeure en psychopathologie. Madame la ministre, Monsieur le Préfet, Madame et Monsieur les élus, c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Je remercie chaleureusement tous ceux qui m'ont rendu possible ma venue ici, la FED, en particulier Valérie Anderson, tellement dynamique, tellement déterminée, mais aussi toutes les personnes que j'ai rencontrées à la Fédération que je connais maintenant depuis plus de 4 ans. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui, sur votre île, où je me rends pour la première fois de ma vie, à plus de 9000 km de ma famille, île que je vais découvrir pendant quelques temps, pour retourner, et j'ai la date de mon retour, chez moi. Je ferai donc 18000 km total. C'est loin. En partant de Paris, il faisait à peine 4 degrés. J'arrive ici, il en fait presque 30 de plus. Dans ce sens, c'est plutôt plaisant, surtout au mois de décembre. En exprimant ce ressenti, je ne peux évidemment pas m'empêcher de penser à votre expérience, ainsi qu'à celle des plus de 2000 autres personnes qui, enfants, avaient vécu ce choc thermique, mais en sens inverse, aller vers le froid, sans protection, ni enveloppe chauffante, et sans aucune certitude d'un retour chez vous. Quelle détresse avez-vous dû ressentir, seul, sans adulte, familier ni de confiance. Après avoir été entendu en juin 2016 par la commission des experts en tant que chercheur en psychologie clinique et psychologue clinicienne, c'est de cette même place que j'ai commencé à vous rencontrer, vous, les ex-enfants, plutôt ex-mineurs. Oui, je préfère parler d'enfants et dire les adultes qui, bébés, enfants, adolescents, avaient subi cet exil pour en identifier les répercussions psychologiques. Travaillant comme psychologue clinicienne depuis des années dans le champ de la protection de l'enfance auprès de bébés, d'enfants et d'adolescents, j'ai une préoccupation toute particulière pour le tout petit dans sa façon de se construire en la pensant la plus adaptée possible. Le célèbre pédopsychiatre Winnicott a été l'un des premiers à avoir écrit dans les années 40 sur le bébé et les effets dévastateurs d'une séparation avec son parent, surtout quand rien ne lui est dit, en partant notamment de l'expérience vécue par les Anglais au moment des bombardements allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il prévenait les parents des effets psychiques d'une éventuelle séparation de leur enfant, dans le but de protéger des risques liés à la guerre, mais également des effets des retrouvailles de l'enfant avec ses parents quelques mois, voire quelques années après. Il a ainsi montré l'importance d'une préparation à la première séparation pour éviter les souffrances de l'enfant. D'autant que, et à la deuxième séparation, d'autant que la deuxième séparation vient réactiver les effets de la première. Comme Winnicott, je m'intéresse aux effets des ruptures dans la construction d'un enfant, au traumatisme que ces ruptures induisent, en lien avec la grande histoire et la culture, c'est-à-dire l'héritage de l'histoire familiale, mais aussi au groupe culturel d'appartenance. Deux éléments sont fondamentaux, et ça on le sait depuis plus de 40 ans. Un bébé ne peut pas ne pas s'attacher, même à un parent le plus malveillant qu'il soit. Ce n'est donc pas la qualité de la parentalité qui détermine la force du lien. La deuxième chose, et c'est encore Winnicott qui nous l'a appris depuis bien longtemps, pour bien se construire, un bébé nécessite d'un besoin continu d'exister. C'est-à-dire qu'il a besoin que ce soit le même référent qui s'occupe de lui, ou qu'un travail se fasse entre deux référents dans la passation, dans un contexte qui lui devient familier avec ses odeurs, ses rituels, ses façons de faire. C'est ce sentiment continu d'exister qui contribue à la constitution d'une stabilité permettant
à l'enfant de se construire un monde interne et d'acquérir une identité. Ce sentiment permet à l'enfant de se protéger d'éventuelles angoisses. Ceci suppose que, malgré les changements, l'enfant perçoit quelque chose de lui, de l'ordre d'une cohérence, d'une unité interne stable. En l'absence de cette continuité, l'enfant ressent le chaos, le désordre, voire le désastre, et il va grandir ainsi. Après avoir mené des recherches auprès d'enfants ayant vécu des traumatismes liés aux effets de rupture, je me suis intéressée à vous, à votre devenir, à ce que vous avez vécu par cet exil forcé entre 1962 et 1984. Pour évaluer ces répercussions psychologiques, j'ai réalisé des entretiens auprès de certains d'entre vous ayant été transplantés en métropole entre l'âge de 2 et 16 ans. Ces rencontres ont été rendues possibles par le biais de l'affect que je remercie vivement pour la confiance qu'elle m'a accordée. Ce que j'aborde ici est un aspect du trauma, partagé par vous, quel que soit votre âge et votre histoire familiale. Celui d'avoir été exposé à des ruptures, des premiers liens, souvent irrémédiables, qui ont eu des répercussions majeures sur votre construction. Il s'agit des effets des ruptures de liens de filiation avec vos parents, d'affiliation avec votre groupe culturel et des ruptures avec vos repères géographiques. Subitement, en un instant, vous n'étiez plus enfant de vos parents, mais d'abord enfant de l'institution en tant que pupille d'État, puis enfant de parents métropolitains adoptants ou pour les plus âgés d'entre vous, placés en nourrice ou en foyer, avec parfois des changements de prénom, de langue, de nom, d'environnement, de bain linguistique et culturel. Toute séparation pour un enfant est source d'angoisse, de perte et d'abandon, d'autant plus si celle-ci n'est pas parlée. Elle s'inscrit souvent dans une imprévisibilité. Cette première rupture avec votre parent, ainsi que celle qui en suit, changement de lieu de placement, arrivée en métropole, placement en foyer, puis en nourrice, en famille d'accueil ou une famille adoptante, sont à l'origine de cette perte du sentiment continu d'exister. La capacité d'un enfant à garder vivante en lui la représentation d'une personne aimée est limitée lorsqu'il n'a pas l'occasion de la voir ou de lui parler. Et là, je cite Winnicott encore, « Tout se passe bien pendant quelques jours, quelques semaines, puis soudain, l'enfant ne sait plus si sa mère existe réellement. » À la première séparation d'avec votre mère et d'avec votre île, s'en est suivie une autre, celle avec votre langue maternelle, puisque vous étiez interdit par les créoles. Le français était la seule langue possible. Il semble également que le mensonge ait participé activement à cette politique de transplantation. Vous avez été nombreux à m'avoir apporté les mensonges des organisateurs dits à la fois par vos parents, de la promesse que leur progéniture reviendrait, qu'ils feraient des études en métropole, mais à vous également, puisqu'avant de quitter la Réunion, les éducateurs vous ont montré les belles images de la France, en vous promettant que vous ferez du ski, que vous fêteriez Noël. Se sont souvent ajoutées, avant votre départ, des maltraitances subies dans les foyers par les gens. Elles ont été physiques et ou sexuelles, enfermement dans une cave, abus sexuels d'un éducateur ou d'une religieuse. Quand vous arrivez en métropole, les représentants des institutions françaises vous ont dit que vous étiez orphelin et que vous avez été abandonné. Humiliation, maltraitance, abus sexuels, avant ou après le voyage, ont participé pour beaucoup d'entre vous aux effets traumatiques de l'exil. À l'arrivée au foyer d'enfance du Guéret dans la Creuse, certains ont évoqué un accueil dépersonnalisé avec notamment des lits qui ont été ajoutés dans les couloirs du foyer. De quoi renforcer encore la sécurité. Vous avez été nombreux à avoir été maltraités par les familles adoptantes, certains qui sont utilisés comme garçons fermes, des filles abusées sexuellement, des garçons aussi. Les interrogations sur votre origine ont été présentes et réactivées sans cesse par des moqueries, des discriminations, subies notamment en lien avec le fait que vous n'aviez pas la même couleur de peau que vos camarades. Arrivé à l'adolescence, la vie devient particulièrement difficile. Période de réaménagement psychique, c'est aussi une période au cours de laquelle des questions se posent
vous avez dû combler de façon parfois quasi fonctionnelle pour obtenir une sécurité, un simulacre de sécurité essentiel pour vivre, mais nécessairement accompagné de mal-être. Votre parentalité a été et demeure également complexe. Cette difficulté liée aux ruptures, à l'instabilité de la relation à vos parents, qui ont été réactivées dans votre nouveau statut parental. Les séparations avec les conjoints ont été fréquentes. Souvent, la violence conjugale a pris le relais des violences précédentes. Des années après, retrouver les traces et des liens ici à la Réunion se sont avérés nécessaires. Et ces retrouvailles réactives des douleurs anciennes de part et d'autre, d'autant que celles-ci n'ont pas été préparées. Le vécu est douloureux. Enfant, vous avez vécu, je dirais, une éjection de votre berceau culturel, une éjection de votre enveloppe familiale, géographique et historique. Alors il est impossible que la grève puisse prendre en métropole pour la majorité d'entre vous. Et 40 ans après, comment peut-elle reprendre davantage à la Réunion? Car ce sont les premiers abandons qui sont réactivés dans un après-coup, faisant revivre la première séparation originaire, vécue il y a longtemps, mais bien engrammée en vous. Quand il y a retrouvailles avec vos parents biologiques, celle-ci s'avère particulièrement difficile. Après 40 ans de silence, d'absence, de mensonges, ces retrouvailles sont extrêmement compliquées, voire impossibles, avec des non-dits persistants. Enfant devenu adulte, comment retrouver vos parents ou d'autres membres de votre famille alors que pendant tant d'années, vous pensiez orphelin? Pour vos parents, ces retrouvailles conduisent aussi à une réactivation des douleurs du passé. Les parents, s'ils sont toujours vivants, ont vieilli. Ils ont aménagé leur vie dans l'absence de leurs enfants, parfois considérés à tout jamais perdus, et souvent dans un deuil impossible à faire. Votre retour ici est aussi difficile à accepter. Vous avez parfois été oublié, des enfants oubliés. De retour, vous paraissez des étrangers aux yeux de votre famille biologique. C'est une véritable secousse sismique familiale. Vous paraissez, si certains d'entre vous avaient fait la démarche d'un retour sur l'île, comme aujourd'hui, souvent avec beaucoup d'appréhension, vos parents à la Réunion n'étaient pas dans la même synchronicité. Le retour a leur provoqué une surprise. Comment vous intégrez-vous, migrants de retour? Comment pouvez-vous vous adapter? D'autant que vous avez été dénommé, renommé, que vous avez été acculturé. Vous parlez un créole hésitant, entre deux. Ici, on vous dit que vous n'êtes pas de l'île, et en métropole, vous n'y êtes pas né. Vous êtes ainsi devenus des étrangers à vous-même, sans terre ferme. Les difficultés avec vos enfants sont également importantes. Vous n'avez pas pu raconter votre histoire, ou bien pour certains, mais depuis très récemment. Votre histoire se manifestant par l'expression d'émotions, par un suintement des émotions qui s'agissent. Vos enfants sont devenus le réceptacle de votre histoire sans en comprendre le sens. Le risque transgénérationnel alors est suivant, et je voudrais citer Nicolas Abraham et Maria Corot qui ont beaucoup travaillé sur la transmission transgénérationnelle du trauma. Tous les mots MOTS qui n'auront pas été dits, toutes les scènes qui n'auront pas été remémorées, toutes les larmes qui n'auront pu être versés seront avalés en même temps que le traumatisme cause de la perte. Avalés et mis en conserve, le deuil indicible installe à l'intérieur du sujet un caveau secret. Vous partagez tous un profond vécu abandonnique, puisque les abandons ont été multiples. Vous souffrez ainsi ce qu'on pourrait appeler d'une pathologie du lien. On pourrait dire que vous êtes à vif, que vous êtes des brûlés relationnels, terme que j'emprunte à la pédopsychiatre Martine Lavoie. Les symptômes que j'ai observés chez vous sont les suivants. Instabilité affective et professionnelle. Instabilité des manifestations émotionnelles pouvant osciller rapidement entre débordement de joie, tranquillité, décharge de colère ou de larmes, cauchemar, peur du noir,
peur de l'enfermement, hyperactivité, troubles addictifs, tentatives de suicide répétées qui pour plusieurs d'entre elles ont débuté à votre adolescence et ont souvent été suivies de séjours en psychiatrie, et puis l'impression de ne jamais être à sa place, où je dois être. Des angoisses, de l'anxiété, n'être bien nulle part, dépression, des troubles somatiques, car c'est le corps qui parle. Les mots, M-A-U-X, sont plus forts que les mots, et le corps ne ment jamais. Depuis quelques années, chaque retour en métropole d'un séjour passé sur mine, chaque retour d'une assemblée générale de la FED génère une grande vulnérabilité. Ainsi, des fragilités importantes adviennent à chaque rupture, nécessitant une mobilisation de ressources internes. Adolescence, maternité, séparation avec votre conjoint, adolescence de vos enfants, retrouvailles avec la Réunion, retour en métropole. Difficile évidemment quand les ressources internes n'ont pas été constituées. Difficile, comme le dirait Françoise Dolto, quand vous n'avez pas pu vous auto-materner. Enfant, vous avez grandi avec une charge mentale importante. D'avoir été celle d'un enfant réunionnais, arraché à son île, sa famille, son histoire. La question de la légitimité d'existence est sans cesse présente et jamais résolue. Ces événements subis depuis la première séparation, la toute première, jusqu'à aujourd'hui, fabriquent ce qu'on appelle des traumatismes cumulatifs qui ont un impact sur ce que vous êtes aujourd'hui. Je tiens à souligner ici que si le rapport d'expertise remis le 10 avril 2018 a mis en évidence le fait que cette transplantation s'était déroulée dans le cadre des pratiques et règlements qui régissaient l'institution de la protection de l'enfance à ce moment-là, en effet, cette institution avait des principes notamment basé sur la nécessité d'une rupture par l'enfant pour permettre à ce dernier un évitement de la transmission de la dégénérescence parentale et de se construire au mieux. Cependant, il est important de préciser que la grande différence entre votre vécu et celui des autres enfants placés issus des départements de métropole se situe dans l'histoire et la géographie particulière de l'île de la Réunion. Histoire marquée par la créolisation de ses habitants avec une langue spécifique. Histoire singularisée par son passé colonial et esclavagiste, dont les effets transgénérationnels sont massifs en termes de violence liée à une politique d'aliénation. Géographie, car il s'agit d'une île située à plus de 9000 km de la métropole, avec un autre climat et dont le seul moyen de communication est l'avion. Et à ceci s'ajoute sa spécificité insulaire. Ainsi, dans une intention de penser, P-A-N, vos blessures, il s'agit aujourd'hui de transformer les agir, les émotions, les larmes, les pleurs, en histoires à raconter afin que celles-ci se transmettent avec apaisement aux générations suivantes, enfants, petits-enfants. En prenant en compte l'implication de trois niveaux individuels, car vous avez votre propre parcours, familial, car chacun, vous portez en vous l'héritage de vos ascendants, et on sait bien comment le passé s'inscrit toujours au présent. Un proverbe arabe dit « Ce que tu as enterré dans ton jardin ressortira dans celui de ton fils ». Historique, car il s'agit de considérer votre exil, d'une part dans le cadre de l'histoire institutionnelle de l'aide sociale à l'enfance, d'autre part dans le contexte de l'histoire de l'île de la Réunion, avec sa créolité département français depuis 1946, qui a un passé particulier, les traces de ce passé sont encore perceptibles aujourd'hui. Ainsi, au vu de votre histoire si singulière, il s'agit de proposer un soin, en considérant l'articulation de l'histoire individuelle et de l'histoire collective, c'est-à-dire considérer chaque histoire comme inscrite dans un récit collectif, familial, historique et transgénérationnel. Étant donné la dimension collective de ce vécu, il est pertinent de faire appel à un cadre groupal pour sa fonction contenante, enveloppante, chauffante, que vous n'avez pas eu. Le groupe permet une
instauration de la subjectivité et une élaboration d'autant que les souffrances collectives remettent en cause les appartenances. Ainsi, la présence plurielle permet un travail d'historicisation qui conduira à un processus de commémoration. De plus, il permet une prise en charge plus adaptée aux représentations culturelles dans une interaction constante avec votre enveloppe de naissance. L'intention aussi sera de travailler ensemble à la déconstruction des systèmes multiples, coloniaux, esclavagistes, mais également institutionnels, notamment ceux de l'institution de la protection de l'enfance. Enfin, il s'agit ici, à La Réunion, de proposer un accompagnement aux retrouvailles familiales après toutes ces années d'absence, avec 9000 km de séparation, soit 18000 pour faire l'aller-retour. Après plus de 40 ans, les retrouvailles sont incontournables pour que chacun puisse se reconnaître et partager de nouveau une même enveloppe familiale, culturelle et un héritage commun. Je vous remercie. Merci, Madame Feldman.